En cardiologie, au sein du pôle thorax-vaisseau, au CHU de Rouen, l'ouverture d'une unité Covid au mois de janvier 2021 a accentué la charge en soins et généré davantage de fatigue et de stress au travail pour les équipes. Au cours d'une réunion, les aides-soignantes expriment leur besoin de réconfort au travail et demandent au cadre de santé la possibilité de mettre en place, au sein de l'unité, des parenthèses de détente au travail. Après réflexion et concertation auprès des médecins, plusieurs supports de détente sont envisagés. Le professeur Elchaninov offre un fauteuil massant et relaxant aux équipes. Celui-ci est installé dans la salle de soins, ce qui permet aux équipes de jour comme de nuit d'en bénéficier. Le docteur Savouré propose l'utilisation des lunettes d'hypnose employées au cathétérisme pour les patients. Paul, la kinésithérapeute du service, propose des temps de massage une fois par trimestre. ASH, le fauteuil massant, j'adore. Eliane, aide-soignante, le fauteuil, c'est déstressant, I love it. Uriel, aide-soignante, le massage, c'est génial et apaisant, je recommande. Mélanie, infirmière, les lunettes d'hypnose, c'est relaxant. Madame Hens, cadre de santé, manager les équipes par le bien-être au travail, c'est gratifiant pour tous. Ce management par le bien-être des équipes permet au cadre de santé de prendre soin de ses équipes et ainsi maintenir et optimiser les performances auprès des patients. Ce management bienveillant contribue au bonheur au travail en diminuant le stress et en augmentant le bien-être des soignants. Le cadre est alors pleinement dans son rôle de prévention de la souffrance au travail, en veillant à la santé physique et mentale des personnels dont le CHU de Rouen lui confie la responsabilité. Bonjour, Corinne, aide-soignante sur le pôle thorax-vaisseau. Je viens de sortir de mon cadre de travail. Je viens d'utiliser mes lunettes d'hypnose. Elles m'ont apporté du bien-être au travail. Comme le souligne Corinne, par son côté innovant, ce type de management devrait s'étendre à tous les personnels du CHU de Rouen en utilisant, pourquoi pas, d'autres supports de détente au travail.